Bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Brawl Star. Aujourd'hui les amis, on est sur un pack opening gratuit encore une fois. Comme vous pouvez voir, je suis à 28 petits coffres, j'ai ensuite 2 gros coffres et ensuite j'ai également 2 petits coffres qui sont ici. Donc on a une trentaine de coffres à s'ouvrir gratuitement les amis dans cette vidéo. J'espère encore une fois tenter le miracle. J'avais déjà fait une vidéo comme ça il y a quelques jours sur la chaîne, malheureusement on n'avait rien eu. Est-ce que cette fois-ci on va avoir de la chance? On croise les doigts les amis. Dès le début de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez qu'on va avoir de la chance ou pas. En ce moment, en plus, j'ai Léon dans mon shop. Normalement, à l'heure où vous verrez cette vidéo, la vidéo où j'achète Léon sera sortie hier. Est-ce qu'on pourrait avoir de la chance cette fois-ci, les amis? Je croise les doigts. Dans tous les cas, on s'achètera également une petite méga boîte si on n'a pas de chance en fin de vidéo. Donc, on est parti. Let's go. N'hésitez pas à me dire aussi si vous kiffez un petit peu le nouveau format, si vous kiffez ce format-là avec le fond vert comme ça, ou si vous préférez les vidéos d'avant avec le décor. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire, ça fait un petit peu plus de montage à faire, mais c'est pas grave. J'ai aussi le fond vert qui bug un petit peu par là, je suis désolé, je vais essayer de l'arranger pour les prochaines vidéos. Bref, on commence directement, let's go les amis, avec le premier petit coffre, let's go. Ok, on a 28 coffres gratuits, ça va être assez long, on va les faire assez rapidement quand même, parce que c'est pas non plus des coffres de fou, encore une fois, mais bon. Oh, on commence très très bien ça, le doubleur de jetons, c'est vraiment top, sachant qu'on est le week-end et qu'on a encore le robot à gogo et que j'ai 40 tickets d'ailleurs à la fin de la vidéo, bon, parce qu'on va pas faire que du pack opening, on va également faire un petit peu de robot à gogo. N'hésitez pas à me dire du coup si vous kiffez cette petite vidéo un petit peu posée. Je pense qu'il y aura pas forcément beaucoup de coupures ou quoi que ce soit. On va discuter un petit peu ensemble pendant qu'on ouvre des coffres. On a de la Penny, on a du Daryl que j'essaye de jouer un petit peu en ce moment. Si vous voulez voir un petit peu mes brawlers, moi ce que j'aimerais beaucoup beaucoup avoir, c'est simplement du Mortis, de la Pam, de la Tara, de la Polly, et en fait un petit peu tous, parce qu'ils sont à peu près tous au même niveau mes brawlers. Mais par exemple, je préférerais avoir de la Tara, du Mortis, voire même du Frank, plutôt que de la Shelly que j'ai déjà pouvoir 6. Bref, je pense que c'est assez logique. On continue du coup, on enchaîne, let's go, avec le troisième petit coffre gratuit. On a de la Tara, ça c'est très très cool, ça fait plaisir. Ok, on a du Colt et du Daryl. Imaginez les amis là si on tente le miracle, imaginez là si on a la légendaire qui pop, ça serait juste énormissime. Désolé aussi les gars, s'il y a des petites coupures ou quoi, c'est parce que je suis en train de tousser parce que je suis malade. Bref, c'est un petit peu compliqué. Ok, on continue avec 30 pièces. On a du Brock, on a de la Poly, c'est un petit peu pour ça que je suis fatigué aussi au niveau de ma tête, etc. Parce que je suis pas mal malade en ce moment. Mais bon, on est quand même là, on fait quand même des vidéos. Du coup, c'est parti, on continue, on enchaîne de la Tara, de la Poly. Ok, là on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Parce que c'est vrai que c'est que les petits coffres. À la limite, je vais vous dire les gars, on va ouvrir un coffre plus gros, une grosse boîte pour voir si on a de la chance. On a du Colt, on a du Bartaba, on a du El Costo et on a ensuite un petit ticket d'événement qui fait plaisir. C'est cool, ok. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, de la Shelly, de la Perm, ok, tac, du Frank, 2 tickets d'événement, ça c'est vraiment cool. Ok, on continue, on continue, on continue, on continue, on a rien malheureusement, du Frank, du Bull, ok, du Brock, de la Pam, et 2 tickets d'événement encore une fois, ça c'est top, ok, du Frank, de la Penny, encore un coin doubleur, oh là là les amis, on va avoir du coup nos 400 prochains jetons qui vont être doublés, ça, là on est très très bien les gars, vraiment, parce qu'on va faire énormément de points. Au niveau du robot Rumble, là, ça va être la folie. Ok, de la Pam. La Pam aussi, qui est un très très bon brawler. J'aime beaucoup Pam en ce moment. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir la monter. Ok, Tara, Mortis. Ok, ok, du Dynamite. Il me semble, si je dis pas de bêtises, en plus, qu'on a le même taux de drop dans un coffre comme ça que dans une grosse box. Il me semble, pour les légendaires, je dis sûrement des bêtises. Mais il me semble que c'est ça, j'avais vu ça. Il me semble que la, le taux de drop d'une légendaire est pareil dans un petit coffre comme ça que dans les gros. N'essayez pas de me dire ça dans les commentaires. J'ai eu 3 tickets, ça c'est vraiment top. Ça c'est vraiment très très bien. On a eu des gemmes, ok, ça fait plaisir aussi. Ok, il reste plus que 4 petites boîtes ici. Du Dynamite, de la Jessie. Ok, on a quoi d'autre? De la Pam, du Ricochet, encore 3 gemmes. Il reste 2 petits coffres. Ok, de la Pam, de la Penny. Et malheureusement, ça ne sera pas dans un petit coffre. Quoique, il en reste un là-haut, les amis. Hop, on va ouvrir du coup cette grosse boîte. On a des pièces, on a du Bartaba, on a de la Poly, on a du Daryl. Et pour terminer, on a 2 tickets de l'an. J'ai pas mal de tickets, ça fait plaisir ça. Hop, les pièces et la petite boîte Brawl, ok, malheureusement, il n'y a rien. Les amis, dernier petit coffre gratuit. On croise les doigts. Est-ce que ça peut passer? Ok, on va voir ça, du Ricochet, du Bartaba, et malheureusement, non, du El Costo, et un ticket d'événement. Ok,
Ce que je vous propose, les amis, c'est quoi? C'est simplement qu'on fasse, eh bien, l'ouverture de cette petite méga boîte ici. Et juste après, on va partir en Robo Rumble. Du coup, on est parti. Let's go. On ouvre la méga boîte à 50 GM. Ok, on a 258 pièces. Alors là, déjà, on a quand même beaucoup plus d'un coup. Ok, on a 8 polis. On a 35 mortises. Ça, c'est vraiment top. Je vais pouvoir le monter. Yes, ça fait plaisir. C'est bon. Nickel. 41 penny. Penny que j'aime beaucoup aussi. 41 francs, yes, vous savez comme j'aime francs, en plus je vais pouvoir le monter, ça c'est top. Ok, de la Shelly, 4 tickets d'événement et encore un coin de doubleur. Très bon coffre, malheureusement, du coup on n'aura rien débloqué. Je suis déçu, je suis vraiment déçu les gars. Là, la déception elle est hard. Oh les gars, j'ai trop le seum. Ok, par contre on a beaucoup de doubleurs de jetons. Du coup là on va se mettre très bien au niveau du Robo Rumble. Qu'est-ce qu'on va prendre pour faire ça Alors j'allais dire Franck, mais je pense que Franck est pas forcément bon dans ce mode de jeu parce que il va casser les murs. Pourquoi pas Penny qui peut poser un mortier? Ça peut être vraiment fort. On part directement en x20 avec les tickets. Pourquoi je fais ça simplement? Parce que voilà, pour la vidéo, je trouve ça plus fun, c'est tout. J'ai pas à me justifier, c'est parti. Du coup, on part, on est avec un boule et une Shelly. On va voir un petit peu comment ça se passe. Je tenais aussi à vous dire, je profite de cette vidéo aussi pour vous parler un petit peu les gars. Je tenais aussi à vous dire que certes j'augmente pas beaucoup mes trophées parce qu'en fait je joue très peu hors vidéo etc. en ce moment parce que j'ai pas le temps. Mais je tenais à vous dire que là ils vont reprendre parce que eh bien mon strike a été enlevé. Un grand merci à Victor de chez YouTube qui a eh bien réussi à enlever mon strike. Gros big up, vraiment ça fait hyper plaisir. Donc les lives vont reprendre sur Brawl Stars. Je sais pas encore si je vais reprendre trop les autres jeux pour le moment, mais sur Brawl Stars déjà ça va tryhard. Ok. On a un petit robot ici. Ok, nice, hop. On va faire pas mal d'auto-shoot, je pense, avec Pam, clairement. Enfin, avec Penny, pardon. Ok, Penny, qui est un voleur que je gère pas énormément. Mais je sais que là, elle pouvait être très intéressante avec son mortier. Donc, on va voir un petit peu comment je la joue. Est-ce que j'y arrive ou pas? T'as vous voyez que je galère un petit peu à viser. Hop, hop, ok. Je pense que clairement, avec de l'auto-shoot, même, ça pourrait passer. Alors là, vous allez me dire tout ça, Alex, t'es nul, etc. dans les commentaires. Mais bon, tac, ok, nice. L'ulti qu'il y a, c'est long à récupérer. Hein. C'est depuis tout à l'heure, on tire là, on casse du robot, etc. Mais j'ai toujours pas mon ulti. On s'est déjà pris 5%, ça c'est vraiment dommage. Ok, après, en soi, on est bien, on est à une minute. Il y a le gros robot qui va arriver là, il va falloir faire gaffe. Tac, là, hop. Ok, ceux-là ils passeront pas. Il y a le gros robot qui arrive par là, j'aimerais bien avoir l'ulti. Hop, je vais pouvoir la farm sur lui, je pense. Ok, c'est bon, mon ulti qui est passé, je vais mettre mon mortier juste là, ici, bien protect derrière les murs. Ok, et là après, je vais aller aider pour le robot. Ok, le robot, oula, on se fait attaquer, là il y a... Oh purée, j'ai mes deux coéquipiers qui sont morts, falloir que je fasse assez gaffe. Oh purée, j'y crois pas, je suis tout seul quoi. C'est une blague. Ah ok, c'est bon. J'ai la Shelly qui est revenue, c'est bon, nickel. Moi je fais que 1000 de dégâts, enfin je fais pas énormément hein, malheureusement. Et le boule qui est complètement con parce qu'il a détruit le mur, mais non, c'est une blague. Le boule, il est inutile, mais vraiment, il nous a pété le mur là, il nous a juste handicapé plus qu'autre chose. Après, certes, il a pété l'autre robot, mais. Ah, il aurait jamais dû faire ça, jamais. Parce que du coup, en plus, j'ai plus l'emplacement pour mettre mon mortier. Où est-ce que je peux le mettre du coup? Je vais le mettre là, je sais pas forcément si c'est utile. En tout cas, il va se faire péter très vite, voilà, c'était. Purée, elle... Oh, dans cette map, en fait, et cette map, Penny, elle est hyper intéressante parce que justement, il y a un endroit exprès pour pouvoir mettre son mortier. Et là, le mec, il l'a détruit quoi, c'est n'importe quoi, ok. Tac. C'est un peu compliqué quand ceux qui vont vite comme ça, autant ceux avec le gunbox j'arrive à peu près à les gérer, que ceux qui courent vite comme ça, c'est assez compliqué. Après je suis pas encore mort, je suis content. En soi, tac. Et ouais, tout seul contre lui, moi je me fais déglingue. Ok. Vite, il va falloir que je retourne avec mes coéquipiers là. Ah ouais, mais là on se fait complètement dépasser là. Là on se fait complètement dépasser. Je pense qu'on va faire un temps de merde, vraiment. On est à 2 minutes 40, c'est pas ouf du tout. Là, je vais bientôt mourir. Voilà, je suis mort, c'est sûr. Ok, on va. Est-ce qu'on va arriver à faire 3 minutes? Je pense même pas. Ok, 2h48. C'est pas ouf, vraiment. C'est pas mal, mais c'est pas terrible du tout. En même temps, c'est vrai qu'on a quand même pas mal galéré. Mais du coup, je vais gagner masse de jetons. Oh là là, les amis. 640 jetons. C'est juste énorme. C'est abusé. Why? On va ouvrir 6 coffres de plus. Je vais m'arrêter là, par contre, parce que je vais pas faire tous mes. Je vais pas utiliser tous mes tickets, je vais en garder pour la semaine prochaine. Et du coup, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ouvre les derniers coffres, imaginez là, si on tape la légendaire maintenant, ça serait juste fou. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait. Et surtout, les amis, dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé cette petite vidéo tranquillement. Voilà, je vous dis peut-être à ce soir pour un prochain live. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur Twitter. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et ciao, ciao, les amis, à plus, bye bye.